Chez toi, c'est fini tout ce bordel. L'Élysée va fermer, puis tu gonfles la concierge. Je croyais qu'un mec comme toi, ça peut pas être viré. Je pensais même qu'être battu, ça peut pas t'arriver. J'oubliais que le peuple a voulu faire ta peau, et te voilà déçu. Tu dois prendre le métro. Et déconne pas Manu, c'est pas que tu me fais de la peine. Maintenant t'es battu, disparais de la scène. T'as voulu réformer le système des retraites, t'as voulu supprimer pour tes potes l'ISF, t'as voulu augmenter l'essence et le gasoil, mais tu t'es bien planté, tu t'es retrouvé à poil devant les gilets jaunes. Tu t'es dit à quelle faune va falloir réprimer, et l'Allemand s'est pointé. Et déconne pas Manu, va falloir te tirer, nous on t'a assez vu, taille-toi de l'Élysée. Jean-Mi Blanquer ne sait pas bien y faire, il parle que de wokisme et d'islamo-gauchisme. Les profs et les instits se sont mis à râler et rien ne leur profite. Ils se sont fait baiser, ce con au crâne poli veut pour ses employés qu'ils s'écrasent et se plient et par laïcité. Déconne pas Manu, casse-toi vite fait maintenant. Nous on en a plein le cul de tes emmerdements. La radio, la télé et les journaux papier, CNews de Bolloré et BFM TV, de Morand Salamé, les marcheurs de l'Assemblée, ainsi que Sacha Houlier, font tout pour se prosterner. Toutes ces conneries Manu, va falloir assumer et dire à toute la rue tu nous as enfumés. Et déconne pas Manu, va prendre une bonne retraite avec ta vieille gonzesse, va cricher au touquet. Et déconne pas Manu, t'as fait chier le peuple 5 ans, Mélenchon est élu, c'est lui le président.